Bonjour, c'est Loïc Notet. Votre tout premier souvenir d'enfance. Mon tout premier souvenir d'enfance, là, j'ai des flashs de moi en train de chanter dans le jardin. Voilà. Genre, je courais et, dans la pelouse et je chantais. Je devais peut-être avoir 4-5 ans. C'était très très jeune. Hein. Tout premier match de foot. J'ai pas un souvenir en particulier du premier match de foot. Par contre, je sais que tous les samedis matins, j'étais genre vraiment en bad, rien qu'à l'idée de devoir quitter les dessins animés pour aller dans les vestiaires, quoi. J'avoue que ça, c'était pas un agréable moment pour moi. La première fois que vous vous êtes entendu à la radio. Ah, c'était très bizarre. En fait, j'étais partagée entre un sentiment de fierté et un sentiment de gêne. Genre, je me souviens, c'était avec Rhythm Inside et j'étais hyper heureux de me dire « Ah, putain, ça y est, on y est arrivé, quoi. Ça passe en radio. » Et parce que c'était pas un morceau évident à l'époque, c'était quand même un morceau un peu plus expérimental. C'était pas trop dans les codes de ce qu'on entend à la radio. Et donc j'étais très content et en même temps, j'étais ultra gênée parce que s'entendre, c'est quand même particulier, quoi. La première fois que vous vous êtes vue dans un magazine. Je pense qu'on a fait, que j'ai fait une fois la première page d'un gros magazine ici en Belgique. Pendant Danse avec les Stars. Moi, quand j'étais petit, genre, je prenais un bic ou un marqueur et je retirais des dents, tu vois, des gens. Et je me dis, oh merde, ça se trouve, il y en a plein qui ont fait pareil avec moi, quoi, tu vois. Votre première fois inavouable. Bon, tu sais, ça doit être un truc du genre où tu manges un truc super piquant et tu fais genre qu'en fait, non, enfin, il n'y a rien, et tu viens juste tout rouge, t'as les yeux qui pleurent, et après, genre, le lendemain, quand tu vas aux toilettes, tu fais genre que tout va bien, mais en vrai, ça ne va pas du tout, quoi, tu vois. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Votre dernière première fois. Pour la première fois de ma vie, j'ai vécu ce qu'on appelle une gueule de bois. Enfin, j'ai eu ce qu'on appelle une gueule de bois, je pense, pour la première fois de ma vie, il y a une semaine. et voilà, j'aime bien la vodka, et je pense que j'en ai bu un petit peu trop. Du coup, je ne l'ai pas senti sur le moment, mais le lendemain, j'ai pas eu mal à la tête, mais je me sentais ultra vaseux, j'avais l'impression que tout me restait sur l'estomac. Enfin, donc, je pense que c'est ce qu'on appelle une cuite.